Salut, salut les Beauty Addicts. Bon, écoutez, ravi de vous retrouver après cette longue absence donc sur le groupe Lale Cosmetics et Fantastic Mark Makeup Artist. Désolé, hein, je ne vous avais pas oublié, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de prévues et à faire. Donc, je reviens bien évidemment pour la revue définitive du Cicaplast Baume B5, baume réparateur apaisant de La Roche-Posay. Donc ma note sur 20, vous l'avez vu, voilà, 11 sur 20, vous connaissez mon amour pour La Roche-Posay bien évidemment. Au-delà de ça, comme je vous l'expliquais, c'est un produit qui est intéressant déjà de par son prix. Moi je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix, peut servir de baume SOS, on peut l'utiliser dans plein de cas de figure, que ce soit sur le bout du nez quand il fait froid, comme après rasage ou effectivement après les soins profonds comme moi je l'utilise. Donc il fait parfaitement le job. Je pense qu'il sera parfaitement adapté pour une peau, pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes. Vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Bien évidemment, comme je le mettais en hydratant quotidien, par contre, on va éviter. Parce que, en tout cas, dans mon cas, il ne sera pas suffisamment justement hydratant et nourrissant. Par contre, sans aucun problème avec les ingrédients actifs qu'il contient, il conviendra à tout le monde. Donc pour 10-12 euros, effectivement, en parapharmacie, vous pouvez même le trouver moins cher, j'imagine, sur certains sites internet. Franchement, ça reste un produit intéressant. Voilà. Donc, bien écoutez, je reviens très vite avec un nouveau produit. J'ai plein de choses à vous faire découvrir là, parce qu'effectivement, bah, je ne vous ai pas vu pendant très longtemps. Mais ça m'a permis aussi d'utiliser, enfin, de tester plein de nouveautés et j'ai vraiment des pépites, enfin, des choses hyper intéressantes à vous proposer à des prix défiant toute concurrence. Moi-même, j'étais très étonné. Donc voilà, je reviens très rapidement. À bientôt les Beauty Addicts.